La nuit d'Halloween 1963 à Haddonfield, dans l'Illinois, Michael Myers, alors âgé de 6 ans, a assassiné de sang-froid sa propre sœur. Mais ce n'est que 15 ans plus tard, lors de la nuit d'Halloween 1978, que la légende de Michael Myers est née. Après s'être échappé de l'hôpital psychiatrique, il est retourné à Haddonfield, où il a sauvagement assassiné des résidents de son quartier. Seule la jeune Laurie Strode avait survécu. Alors Laurie, après toutes ces années, qu'est-ce qui, selon vous, a poussé Michael à commettre tous ces meurtres ? Vous croyez pas au croque-mitaine ? Non. Vous devriez. Dans cette ville, Michael Myers, c'est un mythe. Une histoire pour effrayer les enfants. C'est quoi ce... Mais ce croque-mitaine existe. Et il est de retour. Sauve-toi ! Michael Myers s'est échappé. C'est un tueur. Mais c'est lui qui sera tué cette nuit. Tu peux fermer la porte ?